Alors ce matin, je vais t'amener à prendre une décision avec Jésus. Le Big Pedro. Cette décision que tu as prise, ouais. Ne faut plus retourner en arrière. Alléluia. J'ai pris ma décision. Je ne veux plus retourner parce que je veux croire mon Jésus. Un jour, j'ai pris ma décision. J'ai pris ma décision. Je ne veux plus retourner parce que je veux croire mon Jésus. J'ai pris ma décision. J'ai pris ma décision. Je ne veux plus retourner. Donc pour cela d'abord même là, pour vous guérissez d'abord le premier temps. Parce qu'on n'a pas de caisse, on n'a rien, mais on arrive à travailler par nous. Ça, c'est vraiment le but ici. Et puis encore, pour juste après une impression que, on a organisé une première rencontre ici à chaque ville. Moi, tout ce que j'étais là-bas, on est ensemble avec moi. Organiser les assemblées générales, négocier et mobiliser les ressources pour le fonctionnement de l'ONG, développer des partenariats techniques et financiers, choisir des zones d'intervention de l'organisation, veiller à une gestion rigoureuse du matériel triennal, l'attribution du président, c'est-à-dire les tâches qui incombent au président. Nous avons animé les conseils d'administration, convoqué et animé les réunions du conseil d'administration et l'AG général conformément aux échéances retenues. Assurer la police des débats, fait adresser aux membres du conseil d'administration au moins une semaine plus tôt les convocations et documents de travail et un mois au moins pour les assemblées générales. Veillez à la mise en œuvre. L'activité retenue par le conseil d'administration et plus généralement la politique du centre. Exécuter les sanctions retenues par l'AG et à l'endroit des membres. Attirer l'attention des membres de l'administration, les documents nécessaires pour la tenue des réunions. Assurer une stratégie de communication au sein des membres du conseil d'administration. Maintenant, il s'agit des tâches. Voilà qui est bon au trésorier général. Il est chargé de constater et suivre les entrées et sorties des ressources, étudier les rapports financiers et éclairer les autres membres du bureau exécutif. Tenir une réunion, une comptabilité et une comptabilité en matière. Préparer les dossiers relatifs aux activités du bureau exécutif et les soumettre au conseil. Faire l'état des dépenses et puis par le bureau exécutif. Recouvrer périodiquement tous les mois les cotisations et toutes autres sommes dues au centre directement ou par le biais de la coordination, puis procéder à leur versement. Préparer les bilans du centre, les rapports financiers du bureau exécutif et de l'AG. Maintenant, à l'article 24, le conseil d'administration pour la coordination et l'exécution des activités de l'ONG procède au recrutement d'un directeur exécutif. Maintenant, on va donner pour le travail à Bagot. Merci, Frédéric. Alors, à sa suite, je voudrais préciser que
Vous avez quand même visé le statut règlement. Vous avez bien remarqué, nous sommes passés de la mutuelle à une ONG. On s'est dit que la mutuelle passera une ONG pour que nos actions soient plus basées. Maintenant, si on concerne les actions qui seront à l'extérieur ou bien hors de notre famille, certainement nous aurons besoin de moyens. C'est pourquoi d'emblée, dans son intervention, il a parlé de signer des partenariats d'accord financiers avec des structures, tout ça, nous aider à pouvoir aider aussi nos frères et nos. Donc déjà, on pense à votre attention. Si jamais vous avez des possibilités de signer des partenariats financiers ou techniques, logistiques avec des personnes qui peuvent nous aider à aider nos frères et sœurs sans payer son notice, c'est l'occasion de vous rapprocher de la mutuelle et ensemble on va travailler pour le bien-être. Amen. Si c'est mensuel, si c'est annuel ou bien si c'est hebdomadaire, tout ça. Donc je voudrais préciser que il y a un article qui traite celui-là. C'est l'article 8. Alors, il s'agit de quoi? Pour anniversaire, c'est 500 francs. Anniversaire. Pour mariage, c'est 1000 francs. Pour baptême, c'est 1000 francs. Et pour décès, c'est 1000 francs. C'est-à-dire que ça va être ponctuel. À chaque moment qu'on aura un événement, on va faire une cotisation. On va passer à cet événement-là. C'est bon? Ok, mais déjà c'est bon, mais je veux dire que quoi? Parce qu'aujourd'hui, on a prévu bah, la suite à faire des dons aux orphelins. Oui. Mais maintenant, si on fait. Bon, disons, c'est bon. Oui. Mais quand on parle de faire dons aux orphelins, ça nécessite un budget. Maintenant, si d'abord dans la mutuelle n'a pas moins un fonds de roulement, il n'y a même pas de fonds dans la caisse. Je pense que c'est un peu difficile. Parce que déjà, dire à une personne, bon, on va faire les orphelins, donc on suppose que tu donnes 10 000 fonds. Mais si déjà, au moins chaque mois, chacun quand même donne une somme pour la mutuelle, en dehors des 500 euros. Je pense que ce serait mieux. Au moins, on aurait besoin de la caisse. Et puis, même si vous avez dit, on peut déjà approcher des personnes qui vont aider. Maintenant, d'abord, il faut aussi réaliser des projets de la mutuelle. Parce que si la mutuelle au moins arrive à réaliser un projet, il y a au moins de l'argent qui va rentrer. Et avec ça, on pourra vraiment faire de grandes choses. Voilà, mais si on veut attendre des événements pour donner une raison, je pense que ce ne sera pas possible. Par exemple, le frère, bon, un frère X fait son parrain et qu'on doit le soutenir. On voit d'abord s'il est à jour, c'est cotisation. S'il n'est pas à jour, c'est très compliqué. Donc on va lui demander d'être à jour avant de soutenir. En fait, comme je disais tout à l'heure, nous sommes des grandes personnes. Je pense que c'est une bonne idée. Voilà. Il faut qu'il soit à jour avec le même temps. Ok, je m'appelle Pierre Damour Daniel. Je suis responsable de tout. Ok. Et attendez. On peut me voir maintenant. Ça vient, monsieur. Ne vous inquiétez pas, le sous-marin là. Ok, monsieur. Ok, moi, je me nomme. C'est le frère Fatrevi Ilié Rodolphe. Oui. Responsable chargé de la Ligue via l'intercession. Ok, que Dieu vous bénisse. Monsieur. Ok, thank you. My name is Kaki. Yeah. Responsable de la ressource du débat. Ok, thank you very much, mister. Ok. 3, 4, mister. Responsable Emmanuel Sétou.
souris un peu, souris un peu. Souris. Ça venu. Hein? Ok, ok. Ok, on va couper le jeune tout à l'heure. Ok, merci. Madame. Responsable, les rubriques vice responsable. Et puis encore responsable Hollister. Hollister. Ok. Thank you. Ok, ok, ok. Dressmaker. Dressmaker, ok, thank you very much. Oh, sister. Oh, speak hall, my God. Ok, ok, trois jours de jeûne sec. Ok, merci beaucoup. Monsieur. Bonjour. Yeah, bonsoir, s'il vous plaît. Bonsoir. Ok, comme vous voulez. Ouais, bonjour. C'est le responsable Gango Olivier. Oui, oui. Responsable Kiss Rubik. Ok, Kiss Rubik. Ok, ok. Monsieur. Présentation. Oui. On met ça là-bas, elle la met. Chargé juridique de la création de la mission. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la chambre de fin d'année. Oui. Attendez, Guel en même temps. Il faut dire que j'ai eu mon compte vraiment bondé de joie, de fraternité, d'harmonie. Oui. Regardez la caméra, s'il vous plaît, qu'on parle. La gloire revient au Seigneur. Ok, merci, merci, monsieur. Monsieur Mbari. Mbari. Vous êtes à l'écoute. Vous avez un mot à dire? Vous avez faim aussi? Vous crevez aussi de faim. Are you hungry? Ok, ok. Ok, thank you. Monsieur Kamel. Ok, merci monsieur. Ça continue toujours, le débat continue. Il aime le discours, lui, il aime le discours. Hein. Bien, il est concentré quand même. Ou de la mort. Ouais, c'est Pentateuch. C'est sec. La lèvre, c'est vert. Il passe à un niveau supérieur. Ah, Marie transpire aussi. C'est que c'est chaud. Hein. Comment ils sont bizarres, sûr. Le représentant de Yamoussoukro. Le représentant de Yamoussoukro fait comme ça. Voilà. Ah bon? La petite gospette. Vraiment. La petite gospette. Envoyez la carte à Yann la. La représentante. Il m'a pris de l'amour, oh, aujourd'hui, dans la cour des grands. Déclaré stérile, aujourd'hui, la stérile, enfant cette fois. Rejeté, méprisé par ma famille, comme Joseph, me voilà positionné. Dieu est beau, Dieu est beau.
chaque jour il fait des miracles dans ma vie. Oh Dieu est bon, Dieu est bon. Oh je dis même, chaque jour il fait des miracles dans ma vie. C'est pas ce qui me plaît. Le travail qu'il t'a donné, personne ne peut lâcher. C'est ça. Ah. Oh oui, la bénédiction qu'il t'a donné, personne ne peut lâcher. Oh, le voyage qu'il t'a donné, oh, 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 oh. Personne ne peut lâcher. Dieu est bon, Dieu est bon. Chaque jour il fait des miracles dans ma vie. J'ai dit Dieu est bon, Dieu est bon. Chaque jour il fait des miracles dans ma vie. J'ai dit Dieu est bon, Dieu est bon. Chaque jour il fait des miracles dans ma vie. J'ai dit Dieu est bon, Dieu est bon. Écoutez ça, écoutez ça. Hey. Le ministère qui t'a donné, okay. Personne ne peut lâcher. Il dit ok. La vision qui t'a donné, personne ne peut l'arracher. Personne ne peut l'arracher, c'est ça. Tu peux répondre avec moi. La vision qui t'a donné, personne ne peut l'arracher. C'est ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Oh. La vision qui t'a donné, personne ne peut l'arracher. Dieu est bon, Dieu est bon. Chaque jour il fait des miracles dans ma vie. Oh Dieu est bon, Dieu est bon. Chaque jour il fait des miracles dans ma vie. Vous pouvez déposer la souche. Je vais l'aider à faire. On peut dire soir, les gars. Tu m'entends, voilà, donc en fait. En fait, ce que je voulais dire pour le projet de 2022 de Gospel. Ce que je voulais dire pour le projet 2022 de Gospel, voilà, déjà on a déjà eu par le bien du président la vision de Gospel. Vous voyez, il a dit en plus de ce que nous sommes, un groupe musical, on doit faire des activités qui va disons qui pourront faire entrer de l'argent. Et puis chacun de nous pourra comprendre de bénéficier de cela. Donc ensemble, nous avons réfléchi de tout ça. Voilà. Maintenant, il faut dire aussi que un groupe qui se veut long, qui peut durer dans le temps, c'est d'abord un groupe qui a une bonne base financière aussi. C'est vrai qu'on a déjà des prêts qui sont là, qui nous soutiennent actuellement, mais il faudrait qu'on soit un groupe qui a aussi une base financière. Vous voyez, voilà, pour la plupart des groupes qui se divisent, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment d'argent pour soutenir le groupe. Il y a des réalités qu'on vit. On a besoin d'argent pour pouvoir faire vivre encore le groupe. Vous voyez, et puis pour un groupe aussi qui veut avoir un top niveau de musique, on doit avoir à nourrir ça de répétition. Ça c'est très important. Vous voyez, on doit avoir une salle de répétition. Donc c'est à tout ça que nous avons réfléchi et on a décidé de mettre des activités sur pied. Mais déjà avant de mettre des activités sur pied, on doit avoir un fonds de roulement qui sera le capital. Vous voyez, un fonds de roulement qui sera le capital en fait de toutes nos activités. Okay? Voilà, maintenant, ça sera, 25 actions de 10 000 francs. 25 actions de 10 000. Ça veut dire chaque fin de mois, si moi je réponds une action, une action de 10 000. Donc chaque fin de mois, je suis habilité à cotiser la somme de 10 000 francs pour le projet. Vous voyez, et les 25 actions,
à la fin de l'année 2022, ça va nous faire 3 millions de francs qui va nous permettre de mettre sur pied une activité grâce au piratage de revenus. Vous voyez? Voilà, donc c'est en fonction des actions que tu auras pris, c'est en fonction de cela que tu auras ton bénéfice. Donc celui-là, c'est de prendre 5 actions, c'est lui qui a décidé. Moi, je sais que chaque fois, je peux au moins, en relation de 20 minutes, de prendre 2 actions. Ça va dépendre de chacun de nous. Mais ce n'est pas obligé. Celui qui pense qu'il peut vraiment être dans le projet, il prend soit une action, deux actions, ça va dépendre de lui. Vous voyez. Donc, nous avons 25 actions. Et puis maintenant, pour intégrer, je veux dire, ce projet-là, on va entrer avec une somme de 3500 francs. Cette somme de 3500 francs qui va nous faire de telle sorte qu'on pourra ouvrir un compte dans une banque. Vous voyez, un compte dans une banque. On va faire d'expliquer disons que nous sommes un groupe pour réaliser des activités. Et chaque fois, on va apporter telle somme dans le compte jusqu'à ce qu'on ait une somme pour faire une activité. Et on sera soutenu par la banque vers qui on ira. Okay. Donc c'est un peu ça. Donc pour entrer, il faut la somme de 3500 francs. Il y aura des contrats qui seront faits pour la personne qui rentre. Il y a des contrats à signer. Et tu vas dire le nombre d'actions que tu voudras prendre. Amen. Voilà. Donc c'est 25 actions pour l'instant, 25 actions. 25 actions de 10 000 francs. Si tu veux prendre 2 actions, tu prends 2 actions. Si tu veux prendre une action, tu prends une action. Ce n'est pas obligé. Mais nous voulons en fin de 2022 mettre une activité sur le pied afin qu'on ait notre propre salle de répétition afin qu'on puisse réaliser des projets qui veulent se tenir le coup financièrement. Pour ne pas qu'on tombe. Amen. Voilà, donc c'est un peu ça. Est-ce que c'est une bonne idée? Donc, pour commencer, avant que Jésus soit acclamé. Voilà. Mais maintenant, qui a des choses à ajouter dessus? Pourquoi la somme, l'idée est déjà bonne. Voilà. Le début, la finalité, elle est déjà bonne. Maintenant, pour encourager, je souhaiterais qu'il y ait plus de précision sur, je vais dire, le pourcentage relatif à l'action. C'est-à-dire, par exemple, le projet il est écrit. Et chaque mois, bon, on a tout bête, 1 million voilà, sort chaque mois. Parce que c'est chaque fin du mois, on comptabilise pour que tout le monde puisse savoir. C'est tout bon, ça c'est un détail. Maintenant, dans les 1 million, bon, quel est le pourcentage en fait? D'accord. Ce que je voulais ajouter, on a déjà peut-être des activités qui sont là, des entreprises qui sont déjà là. Mais pour l'instant, nous sommes au stade de pouvoir venir d'abord de l'argent. Et c'est ensemble que ce sont les différentes actionnaires qui vont s'asseoir et avec des projets qui sont déjà là, vous voyez, c'est ensemble qu'on va décider de quoi faire le budget. Si c'est pour investir dans les départements, investir dans tel truc, c'est ensemble que nous allons décider. Et maintenant, c'est en fonction de ces bénéfices. En fait, tout ce sera transparent. On a investi dans telle activité pour voir ce qu'on peut avoir chaque mois. Alors ce matin, je vais t'amener à prendre une décision avec Jésus. Et cette décision que tu as prise, il ne faut plus retourner en arrière. Alléluia. J'ai pris ma décision. Je ne veux plus retourner. Parce que je veux croire mon Jésus. Un jour, j'ai pris ma décision. J'ai pris ma décision. Je veux voir mon Jésus. J'ai pris